Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un cache-tour, donc la cache de mes rats bien sûr. Donc voilà, donc là il y a une grosse tache comme vous pouvez le voir, mais c'est à force qu'ils fassent leurs besoins ici au lieu d'aller dans la litière qui est là. Voilà, donc du coup ça s'en va pas. Donc la cage c'est celle-là, donc je sais plus le nom, je l'ai acheté sur Zomalia. Donc il y a deux Spoutnik là, donc c'est des petits. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté, mais ils l'ont tout cassé. Donc c'est une cage à 3 étages, donc elle m'arrive au niveau de la poitrine, donc elle est quand même assez grande. Voilà, donc il n'y a pas de hamac, tout simplement, parce qu'ils les ont tous mangés et que j'ai pas eu le temps d'en racheter, tout simplement. Mais de base, il y en avait. Hein. Donc là, il y a un premier biberon. Donc là, il y a leur nourriture, donc c'est un mélange que je fais moi-même. Hein. Donc là j'ai ouvert, mais elles ne veulent pas sortir, elles sont déjà sorties tout à l'heure. Donc là il y a la deuxième étage avec toujours de la nourriture. Voilà, donc là il y a Mango. Hein. Donc là il y a la litière, donc toujours avec la... ah, elle veut peut-être sortir. Toujours avec de la nourriture. Donc après ça descend, et là il y a un biberon. Avec bah, la plaque en dessous quoi. Simplement. Donc voilà. Et ça y est, on a un fugitif. Et donc là, on a Yumi. Donc il y en a une qui est carrément plus grosse que l'autre. Et donc elles ont un an. Un peu plus d'un an. Et oui, il y en a une qui est carrément plus grosse que l'autre. Enfin, voilà. Elles ont le même âge parce qu'elles sont sœurs. Voilà. Attention, exercice. Tout simplement. Donc la deuxième, elle s'est barrée au-dessus. Hein. Donc voilà. Donc la cage, je l'ai achetée sur Zomalia. Voilà, je ne le trouvais plus. Donc c'est la Zoolux, je sais plus trop quoi. C'est écrit sur une des plaques, mais derrière, bien sûr. Voilà. Et donc les Spoutnik, je les ai achetés à Villa Verde. Et la nourriture, donc en fait je fais ça avec des cornflakes sans sucre, des croquettes à chat, des graines de tournesol, du riz soufflé pour chien. De base, faut mettre des lentilles, mais elles aiment pas ça, donc elles les mangent pas. Et des pâtes, donc des coquillettes, voilà. Donc ce sera un petit cache-tour, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette cage. Et ouais, je l'ai payé une 100 euros, il me semble. Voilà, enfin je l'ai payé en promo à 70 euros, mais de base, ça coûte une 70 euros environ. Voilà, vous avez le droit à un cassage de tête d'un rat. Et donc c'est des femelles, hein, je sais pas si je l'ai dit. Et donc, bah, ça va être tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, elle aurait été courte. Mais moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !